Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes ici en ce vendredi août pour un débat qui aura pour but et sujet One Piece manga. Donc avant de commencer le débat proprement dit, je vais vous présenter les deux participants qui sont avec nous. Donc tout d'abord nous avons Fairy Games. Bonjour tout le monde. De calme. D'accord. Sans ces cartons jaunes, je l'ai déjà prévenu. D'accord. Et ensuite, nous aurons Kyushin avec nous, une présence féminine qui ne sera pas négligeable, je vais dire. Hi, Mina. On se calme aussi de ce côté-là. Attends, ce carton jaune. Et ce sera sur la touche. Et bien sûr, vous, comme vous aurez pu le constater, le médiateur, ce soir, ce sera Shadow 2009, autrement dit moi, et qui essaiera de recentrer les personnes proprement dites quand elles se déborderont un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça ne vous Non, dérangera pas. t'es là pour ça. Voilà. Il y aura donc un signal sonore pour justement calmer nos protagonistes que je vais vous faire écouter tout de suite. Voilà, ce sera le signal qui doit se calmer et on redonnera la parole à qui de droit. Merci, JDG. Voilà. Merci. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que Kyushan va nous, un peu nous parler du manga, si c'est bien, si elle a toujours sa fiche près d'elle. Oui, j'ai toujours mes recherches, donc voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas One Piece, c'est donc un manga qui a été édité par Eiichiro Oda en 1997, donc 87, 97 pour les Français, parce que je suis pas française, voilà. Eh oui. Voilà. Donc, le manga a très rapidement connu beaucoup de succès et il a été porté une première fois à l'écran par la production IG. Il a ensuite été repris par Toei Animation, qui est encore maintenant en train d'adapter le manga en animé depuis 99. Le manga compte jusqu'à présent 700 épisodes, ce qui est énorme, et il est loin d'être fini d'après ce que j'ai compris. Et il a été dérivé, il a eu beaucoup de dérivés comme des figurines, des jeux, tout le tintouin, quoi. Il a eu droit à un petit peu tout. Et il a très vite dépassé le succès mondial de Dragon Ball, qui était à l'époque justement le plus vendu à l'époque. Alors pour faire un petit rapide résumé du manga, on suit l'histoire de Luffy qui recherche le One Piece. Le One Piece, c'est le trésor du Seigneur des Pirates, le plus grand pirate de tous les temps, qui a été exécuté il y a 20 ans. Et donc son but est de devenir le nouveau Seigneur des Pirates. Au fil de son aventure, il va rencontrer d'autres personnes qui vont se joindre à son équipe et ils vont parcourir les mers parce que c'est un monde où il n'y a quasiment que de l'eau. Il y a juste quelques îles ici par là, mais c'est quasiment que de l'eau. Et ils vont parcourir les mers avec plusieurs aventures, plusieurs buts, plusieurs histoires pour trouver ce fameux One Piece. Voilà. Voilà, donc merci pour cette présentation. Et comme vous avez pu constater, la voix du début, c'était un personnage que j'incarnais, qui me saoule extrêmement vite. Et donc je vais reprendre ma voix normale parce que ça me saoule déjà de faire un mec sérieux. Mais je resterai quand même sérieux pour le débat, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour que je puisse poser les premières questions? Prêt. Vas-y, Bon, alors, première question. Est-ce que One Piece a des messages ou c'est simplement un manga bête et méchant? D'abord la parole. Ferry, tu vas me faire jet de social, donc je vais quand même. Vas-y. oui, pour moi, oui, ça en a des messages. Oui, par exemple, il faudrait que je prenne un arc. C'est l'île des hommes-poissons. Pas avec Arlong, hein, beaucoup plus tard. Qui lui a un message sur le racisme ou même sur Sabaody qui a comme message sur l'esclavagiste, enfin, sur l'esclave. Par exemple, quand on voit les dragons ou les dragons célestes qui enchaînent donc des hommes-poissons qui vont aux enchères des humains, et voilà. Il y a donc bien des messages. C'est pas à la Dragon Ball Z où tout le monde se casse la gueule sans aucune raison. Voilà.
Voilà, tu as fini, donc n'oublie pas de dire quand vous finissez, D'accord, je dès sais. que tu as fini. Voilà. Maintenant, je vais passer même question pour Qiuchen. Oui, alors juste avant de répondre à la question, je vais juste dire, on risque de spoiler, on va éviter un maximum, mais il y a peut-être des petits spoils qu'on va faire, mais on va éviter d'essayer de spoiler les gros passages. Voilà. Et ce que tu feras alors, c'est que tu mettras entre crochets spoil dans le truc Voilà, de la vidéo. Ouais. et comme je dis, on va essayer d'éviter les gros spoils. Ce sera sûrement des petits spoils pas importants, mais les gros, on va essayer de les éviter. Pour revenir à la question, je suis de ton avis, Ferry, en effet, quand on regarde One Piece comme ça, on peut croire que c'est un manga un peu bébête et tout, mais quand on creuse un peu, il y a en effet des messages super intéressants, comme moi j'ai en tête l'arc d'Alabasta, où on a un truc sur la royauté, renverser la royauté, revenir au pouvoir et tout, ou même celui avec l'île céleste, où on a Dieu et tout, faut savoir la croyance, qu'est-ce que la croyance, qu'est-ce que Dieu. Oui, ce manga a énormément de messages, et surtout, il parle de tout. Il parle de l'amitié, il parle des conflits, il parle de gérer un combat, d'affronter le reste du monde, de vivre ses rêves. Ce manga parle d'énormément de messages super intéressants. Celui qui prend la peine de les analyser et de chercher trouvera pratiquement ce qu'il veut trouver, quoi. C'est Donc, surtout que quand on est gamin, on comprend pas tout de suite les messages des mangas. voilà, moi j'avouerai que One Piece, il m'a quelquefois fallu deux visionnages d'un arc pour comprendre le message en entier. Pourtant, je suis pas une gamine, j'ai quand même passé 20 ans, et parfois il y a des messages que j'ai dû revoir deux fois pour bien les comprendre. Moi, j'étais petit quand j'ai commencé One Piece, pour dire, je les ai recommencés il y a 2 ans. Et j'ai enfin compris les messages. Voilà. Donc oui, ce manga a des messages et pas un seul message, il en a tout plein. Le manga est extrêmement long et quasiment chaque arc a son propre message. Donc, vu la longueur du manga, vous imaginez qu'il parle de absolument tout. Tout à fait. Donc, tout le monde peut trouver le message qui lui plaît à un moment donné du manga. Voilà, moi j'ai fini. Très bien. Donc, nous allons pouvoir passer à la deuxième question. Tu voulais pas rajouter quelque chose, Shadow? Ben, il y avait juste une question que je me posais justement, donc comme tu viens de le dire, elle dit qu'il y a des messages principalement dans les arcs, tu dis, est-ce que pendant tout un arc on va parler du même message ou dans un seul et même arc, il va y avoir 3-4 messages différents? Ah ben, c'est possible. Voilà. Moi, je dirais que principalement, un arc va parler d'un message plus important que les autres, mais il y aura aussi des petits messages à côté, tels que, comme toujours, le principe de l'amitié, de travailler ensemble, de réunir tout ça. Oui. En dessous d'un très gros message important, comme par exemple, je prends l'épisode encore une fois de l'île céleste, avec Dieu qui est tout en haut, savoir qu'est-ce que c'est Dieu, mais aussi à côté, réunir deux clans qui se battent depuis presque 1000 ans. Voilà. Voilà. Donc, il y a, oui, plusieurs messages quelquefois, un très important et d'autres pas moins important, mais sous-jacent au message principal, en fait. Oui, tout à fait. Deuxième question. Que dire des fruits du démon? Bon, moi, qui n'y connais rien, je sais juste quand même deux, trois petites choses sur One Piece, donc désolé, là, je prends un peu le pli, parce que ça, je sais quand même un peu ce que c'est. Donc, pour moi, un fruit du démon, si je dis pas de conneries, c'est un fruit qui a sur... Je ne sais pas d'où il sort, donc je ne vais rien dire là-dessus, parce que... Voilà. Et je sais bien que si quelqu'un l'avale, il a un pouvoir par rapport lié au fruit. Donc maintenant, moi, c'est tout ce que je sais. Donc, je vais laisser la parole à ceux qui connaissent, donc Ferry. Que dire des fruits aimés? Bah déjà les fruits du démon, ce qui est bien, c'est qu'on ne connaît rien. Et enfin pratiquement rien. On sait que dès qu'un utilisateur de fruits du démon en avale un, on sait qu'il obtient donc un pouvoir, comme tu l'as dit, entre trois types de classes. Donc Zoan, donc c'est ceux qui ont la capacité de se transformer en animal, ou en humain pour Chopper. Hein. Logia, qui donc Élémentaire. préféré aux ouais et aux élémentaires, et Paramecia qui regroupe le tout, en fait tout ce qui Oui, peut pas être tout le mis dans reste. les ouais voilà. Tout Par le exemple, si vous reste. prenez Luffy, c'est le fruit de l'élastique, et si on prend le fruit de Robin, qui est le fruit de l'éclosion, Voilà. voilà, c'est pas du tout pareil, mais Donc, si je situe bien, tu dis qu'il y a trois types, t'as trois sous trois classes de fruits. voilà. Donc ceux qui prennent par exemple celui que t'as dit là, qui se transforme en animal, Zoé. le Zoan, voilà. Donc dès qu'ils se disent je vais dire le pouvoir entre guillemets, ils se transforment en un animal bien particulier, je veux dire. C'est Oui, ça. par exemple, si on prend le cas de. Ben, on va prendre le cas de. Je vais prendre le cas de Chopper, mais c'est un peu spécial vu que c'est le cas de l'humain.
Mais bon, on va dire qu'il a sa forme combinée entre un humain et un animal, donc sa forme qu'on voit quand il est tout petit. Mm-hmm. Ensuite, il a sa forme totalement en reine. Malgré tout, il arrive à parler. Et après, il a une forme beaucoup plus humaine, en fait. Mais il garde quand même son côté animal. Et bah là, c'est un peu pareil. Mais pour cette fois-ci, vous prenez l'exemple d'un humain là, qui mange fruits. Je me permets d'intervenir. Je prends l'exemple. Vas-y. Il y a un arc. J'arrive plus à me rappeler du nom du personnage, mais il y a un arc qui est justement l'arc de Chopper, où il y a un humain qui a mangé le fruit du bœuf, je pense. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Et donc, il a une forme humaine, une forme de bœuf ou de taureau, je sais plus exactement ce que c'est. Et ouais. Il a une forme mi-humaine, mi-taureau. Voilà. Bon, après, pour le cas de Chopper, je vous rappelle, c'est toujours particulier, il a inventé la Rumble Ball qui lui permet donc d'avoir plus de transformations. Il a 9 formes, ouais. Si je me trompe pas. Voilà, mais à la base, ils en ont 3 si on compte leur forme humaine. C'est ça. Mais... après, les fruits les plus puissants, pour moi, c'est quand même le fruit Logia. Bon, plus tard, on a découvert le fluide qui permettait de les contrer, mais tout au début, si on prenait... si on prend par exemple face à Crocodile ou à Ener, Luffy a eu énormément de chance de tomber face à eux. C'est sûr. Alors que quand on le prend plus tard, qui combat à Kainu, donc celui qui maîtrise le fruit de la glace, et bien là, Luffy va perdre. Voilà. Il peut pas contrer la glace. Voilà, exactement. Voilà. Donc après, les fruits du démon, c'est vrai que ça va forcément pousser sur un arbre, c'est un fruit. Après, on pourrait aussi se dire que c'est fabriqué par l'homme, parce qu'un fruit de démon est unique. On est sûr qu'ils sont uniques? Bah, là où j'en suis, en tout cas, on n'a jamais dit qu'il y en avait deux. C'est mais en tout cas, dans le manga, on n'a jamais vu une personne qui avait deux fois le même fruit de démon. On n'a jamais vu quelqu'un qui disait le fruit de l'humain ou le fruit de l'élastique. Ouais, on n'a jamais vu ça. C'est vrai. Ce serait marrant d'ailleurs que c'est quelqu'un qui ait le fruit. De l'élastique, comme le fils. Et qu'il est développé autrement. Oui, bah oui. Après, je dis bien, Luffy, à la base, il peut étendre ses membres, mais il peut pas, genre, gonfler ses, enfin, il peut gonfler ses poings, mais c'est lui qui a décidé de faire ça comme ça. Après, ce serait marrant de voir une autre personne qui est ce fruit du démon-là, et qui l'utilise totalement différemment. Ouais. Bon, j'ai fini. Très bien. Donc, que dire l'esprit du démon pour Kyushan maintenant? Bah, moi, je compléterais juste ce que disait Ferry. C'est juste qu'en fait, t'as oublié de dire une chose, c'est celui qui mange le fruit perd le pouvoir, perd la capacité à nager, en fait. Oui. Et en fait, c'est pas juste la capacité à nager, c'est que quand ils entrent en contact avec l'eau de mer, parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit, ce monde est quasiment recouvert que d'eau de mer, il y a juste des petites îles par-ci par-là, ils perdent leur force, en fait. Donc, c'est pas qu'ils savent plus nager, c'est qu'ils n'ont plus la force de nager, ils n'ont plus la force d'utiliser leur pouvoir. Ils perdent leur pouvoir. Voilà. C'est comme si vous faisiez balancer à la gueule de un truc à Superman, comment ça s'appelle, la kryptonique. Voilà, putain, j'ai un trou de mémoire. Ah voilà, il est totalement capoute. Voilà. C'est pareil pour les teasers de fruits du démon. Donc en effet. Attends, Ferry, c'est quand même le premier carton jaune parce que t'as interrompu que je suis chat pour te parler. Pardon. Et donc je continue. En effet, est-ce que ça pousse sur un arbre unique? Qui à ce moment-là donnerait naissance à ce fruit et pourrirait directement pour ne plus jamais renaître, ou est-ce que c'est créé par l'homme? Parce que justement, comme on est sur une planète, enfin, un monde où il y a que de l'eau, est-ce que ça a été créé par l'homme et donc une façon de contrôler un peu ce monde, même si les fruits ont un petit peu été dispatchés partout, voilà. Est-ce que quelqu'un est venu dans le laboratoire comme certains viennent libérer les animaux qui ont fait des expériences, ils ont pris les fruits et les fruits ont fini par aller partout dans le monde? On n'en sait rien. On va plutôt des graines plutôt pour que. Ben justement, bah, voulais dire ça. Ouais, voilà. Oui, je dis des fruits, des graines. Parce qu'en effet, est-ce que c'est un arbre qui pousse, qui donne un fruit et puis qui meurt tout de suite pour ne jamais repousser? On n'en sait rien. On n'en sait pas plus sur ces fruits-là. Donc, ça reste un très grand mystère. C'est très nébuleux, on va dire. Voilà. Mais c'est ça justement en même temps le but. Exactement. C'est découvrir un peu l'origine. Exactement. One Piece, c'est un gros mystère. Rien que dans le nom, on sait même pas qu'est-ce que c'est, le One Piece. Oui, mais on y reviendra plus tard, ça. Oui. Je voulais, 2 secondes, redire quelque chose, du coup, sur les fruits du démon, si t'avais terminé. Oui, j'ai fini. D'accord. C'est que, moi, sincèrement, je pense que c'est construit par l'humain. Parce que, si on prend dans la vie, pour faire des tomates, il faut forcément des graines. Donc, qui viennent du fruit. Oui.
Donc, il faudrait au moins qu'il y ait deux exemplaires de ce fruit. C'est pas impossible. Mais maintenant, est-ce que c'est un fruit qu'ils ont été chercher et qu'ils ont modifié génétiquement pour justement Oui. créer ça? Parce qu'en effet, ils peuvent avoir pris un ananas normal et l'avoir modifié génétiquement pour créer ça. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais ça risque un peu de vous spoiler vu que vous n'êtes pas là. Alors, restons-en là. On a dit qu'on éviterait les spoilers. Voilà, bon, ceux qui ont compris ce qu'a soulevé Q-chan avec tout ce qui est modifié génétiquement, bah, ils comprendront, ceux qui ont regardé les épisodes. Voilà, si j'ai soulevé un spoiler qui existe, c'est involontaire, parce que je suis pas au courant de ça, je suis pas encore assez loin dans le manga. Non, mais les gens vont comprendre et j'en parlerai sûrement dans une vidéo que je ferai moi pour D'accord. expliquer cela. On Enfin. passe à la question suivante. Ouais. Bon, alors, question suivante, toujours en rapport avec les fruits démons, justement. Est-ce possible pour tout le monde d'avoir deux fruits démons? Et la question est très bien précisée pour tout le monde parce qu'il y a des cas à part, je veux dire, et je vais laisser la parole à Ferry pour expliquer ce cas à part. Oui, le cas à part, c'est Barbe Noire. Bon, attention, là, spoil. Même peut-être même pour vous deux, je crois que c'est un spoil, mais tant pis, il faut le dire. Moi, Hein. c'est pas Moi, je grave. peux aussi. Bon, faut le dire, hein, je suis désolé là. Ouais, Ouais, voilà, il faut le vas-y. dire, sinon ça mènera nulle part. Ouais, Voilà, vas-y, c'est pas grave. Barbe Noire, à un moment, il a le fruit des ténèbres, et je vous dis, il va voler le fruit de Barbe Blanche. Voilà, donc il va avoir deux fruits du démon. Après, moi je pense personnellement que c'est grâce à son fruit démon qu'il a réussi à le voler. Parce que personne d'autre n'a réussi à avoir du fruit démon. Mais c'est là que c'est intéressant, vu que Barbe Noire va dire quelque chose de très important à ce moment-là. Il dit qu'il faut avoir énormément de force pour en absorber deux. Et si on prend dans Ines Lobby, une petite phrase aussi, à un moment, donc le chef du CP9 nous dit. Non, je sais plus si c'est chef du CP9, mais en tout cas c'est dans les agents du CP9, ils disent que si l'autre personne mange un prénom alors qu'elle en a déjà un, cette personne meurt littéralement, elle explose. D'accord. Donc, je pense qu'il faut avoir une très grande force à la limite si on veut en avoir deux, comme dit Barbe Noire. Donc moi, je pense que tout le monde peut, en quelque sorte, en avoir un deuxième, mais il faut être très puissant. Comme le dit Barbe Noire. D'accord. Et moi j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'il peut avoir un fruit dément contraire à celui qu'il a de base? Moi, ça me semblerait bizarre parce que si il a un fruit du démon, avoir le contraire, ça l'annihilerait. Enfin, c'est pas que ça l'annihilerait, mais ça entrerait en contradiction, en fait. Oui, c'est comme s'il mélangeait les ténèbres et la lumière, hein, c'est vrai. Voilà. Bah, c'est possible vu que Je veux dans dire. une main il utilise les ténèbres et dans l'autre il utilise Oui, mais je le veux dire. deuxième. Prenons l'exemple. Je vais prendre l'exemple de Luffy qui est en caoutchouc. S'il venait par miracle, s'il venait à obtenir le fruit de l'électricité. Je vois pas comment ils pourraient coexister ensemble parce que le caoutchouc annihile l'électricité. C'est vrai. Donc voilà. Maintenant, je dis pas, ça reste une théorie, on est au courant de rien pour l'instant. Donc moi, je me dis, est-ce que justement, ça entrerait pas en contradiction avec les deux autres, tu vois? À un moment, dans le film The Strong World, on a Luffy donc qui va grossir son poing et en même temps, son face je pense, mais il l'a chargé d'électricité et ça l'a frappé contre son adversaire. Ouais, mais Alors, maintenant. est-ce que s'il absorbait la foudre, est-ce que en fait ça n'envelopperait pas son corps, je veux dire, Comme une sorte d'aura. Oui, Oui, ça ne mais. fonctionnerait pas comme le fruit, par exemple, des nerfs ou tout transpercé par Oui, mais des maintenant, je veux grandes dire, personnes. l'électricité statique, je peux comprendre que ça marche, mais l'électricité réelle, comme la foudre, j'aurais du mal parce que je te dis, le caoutchouc ne conduit pas la foudre, tu vois. Enfin bon, encore une fois, ça reste de la théorie. On est quand même dans un monde extrêmement barjot, disons-le clairement. Donc, Arzor Doom, je, ouais. voilà, moi je veux dire, tout pourrait arriver dans ce monde. Vraiment C'est vrai. tout. Voilà, bon, bah, moi personnellement j'en ai fini. Donc si tu veux rajouter quelque chose, Q-chan ou même Shadow. Bah moi, comme je, Non, de toute façon c'est un Q-chan, donc. moi, comme je l'ai dit, je, là où j'en suis, je connais personne qui a deux fruits du démon. Et comme je l'ai dit, avoir deux fruits du démon, enfin, comme tu le dis si bien, si c'est possible, il faut être très fort apparemment si on veut pas en mourir. Maintenant, deux fruits du démon qui sont opposés l'un à l'autre, moi j'ai du mal à y croire parce que je vois pas comment ça pourrait marcher. Si je veux dire, C'est vrai. si je prends par exemple celui H qui a le feu et l'autre, je sais pas comment il s'appelle, qui a la glace, je vois pas comment ça peut marcher les deux, tu vois. Oui, voilà.
C'est vrai. Moi, je prends l'exemple vraiment des opposés, donc comme la foudre, le caoutchouc et le feu et la glace. Il y a des trucs que je vois pas comment ils pourraient exister. Maintenant, il y a des combinaisons qui pourraient être intéressantes. Je vois pas trop lesquelles pour l'instant, mais voilà. Il y a aussi quelque chose que je me demandais. Par exemple, si, même si on ne prend pas les, par exemple, de la glace et du feu. Par exemple, on prend la glace et la foudre. Ok, ça peut peut-être se mélanger. Mais le problème, c'est dès qu'on va toucher la personne, vous êtes d'accord que bon, son poing va traverser à travers du corps. Mais est-ce que ça va être de la glace ou de la foudre qui va le traverser, du coup? C'est une bonne question. Parce que par exemple, Excellente Ener. question, même. Ouais, parce que Ener, par exemple, quand c'est un mec qui veut lui planter la lance dans la tête, on voit bien de l'électricité. Vous voyez? Et pareil pour Aokiji, je vois qu'on le transfère, c'est de la glace qu'on voit autour de la Ouais, blessure. c'est pas faux. Et si on mélangeait deux fruits Logia, et ben lequel apparaîtrait? Soit le tout premier qu'on a mangé, ou soit le dernier. C'est pour ça qu'avec Barbe-Noire, je pense qu'ils ont bien fait le truc, c'est deux fruits. Enfin, le premier est un fruit Paramecia, et le fruit des ténèbres est un fruit Logia, mais un peu Oui, voilà, spécial. je pense qu'il faut surtout éviter de mélanger deux fruits de la même espèce, en fait. Surtout ça, à mon avis. Voilà. Bah maintenant, Bon, comme je dis, on n'y connaît rien, donc, je pense que Barbe-Noire le révélera un jour, l'auteur. sûrement, oui. Voilà. Voilà, pour moi j'en ai terminé là. Moi aussi. Très bien. Alors, next question. Alors, voilà. Est-ce que la pièce existe? Ah, la pièce, c'est le One Piece. Ah, d'accord. Je Une crois, bonne je, série que je n'ai pas, je suis désolé, je avec la crois, je face. crois que Ferry et moi avons eu un instant d'hésitation, c'était la pièce, la J'ai un pièce. moment de bug, et après que j'ai repris, mon disque, une fois que j'ai changé de disque dur dans mon cerveau, je fais, oh mon Dieu, la blague de merde! C'est vraiment ça. Une diarrhée qui sentait magnifiquement bon dans mon cerveau. On va peut-être enchaîner. Oui. Faudrait mieux être trop Donc, dérivé. série. Ah, Est-ce pour l'honneur de commencer. Ok. Est-ce que le One Piece existe? Pour moi, alors, c'est pas un trésor. Alors, est-ce qu'il existe physiquement? Non. Pour moi, non. Il n'existe pas physiquement. Pour moi, c'est un message que Gold Roger a voulu faire passer. Partir à l'aventure. D'ailleurs, je pense que ça peut se prouver quand Doflamingo parle à un moment, lui dit le fille, bah, non, hein, le One Piece n'existe pas. Non, je crois pas que c'est Doflamingo qui le dise, mais c'est un de ses hommes. Bon, Doflamingo a le même discours. Non, le One Piece n'existe pas. Ce sont les meilleurs qui gagnent. Donc lui est carrément contre le One Piece, lui ne croit pas. Mais donc pour moi, Doflamingo est contre ce message à peu près. Moi, je pense plus que c'est un message. Après, ce que j'ai dit n'est pas très clair, je pense. Mais dans ma tête, c'était clair. On a plus fini? Ou est-ce qu'il faut encore Bon, 2-3 minutes pour essayer de clarifier les choses? je vais dire mon ressenti. Si personnellement c'est un trésor avec des pièces et tout, je serais très très déçu. Pour moi, juste un trésor avec des pièces, ben, je serais très déçu. Voilà. En gros, pour toi, ce serait plus la symbolique, quoi. Voilà, ce serait un message, partez à l'aventure, comme ce que nous dit One Piece depuis le début. Aller vers l'inconnu. Vers l'inconnu et au-delà, c'est ça? Ouais, vers ce que l'on ne connaît pas. Essayer de franchir le pas. Voilà, j'en ai fini. Très bien. Ben, touche à ton tour maintenant. Bah moi, j'aimerais rebondir justement sur ce qu'a dit Ferry, encore une fois. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est une idée ou une philosophie, parce que moi, honnêtement, je trouve que enfin, pour moi, une grande réponse se trouve dans le discours de Gold Roger avant sa mort. Il le dit, mon trésor, vous le voulez, partez, parcourez les mers, trouvez-le. Je veux dire, partir, parcourir le monde en entier pour trouver un trésor, enfin, dans sa façon, il dit, il sait qu'il va mourir, le mec. Je dis, à mon avis, son but, c'est pas de faire trouver un trésor, c'est vraiment de leur faire découvrir c'est quoi être un pirate, c'est quoi la liberté. Après tout, le mec, il a été arrêté par la marine, une puissance qui régit les mers. Donc en fait, je pense que son but à la base, c'était plutôt de créer une espèce de révolution. Bon,
J'ai à rebondir sur ce que tu as dit un petit peu. Moi, je verrais bien un énorme troll, à la limite. Ah Oui, ouais? et qu'un coffre, il l'ouvre, il y a un papier dedans, donc avec le message, et là, il n'y a plus de pièces dedans. Plus de pièces dedans. J'y ai pensé aussi. C'est un bon petit troll. C'est ça, c'est la pièce. Oui. C'est la pièce avec le message dedans. Ce serait un bon troll à faire. Vous avez trouvé la première pièce que j'ai gagnée au cours de mon voyage. Ouais, c'est la toute première pièce que j'ai eue en pillant un bateau. Voilà. Non, mais ce serait sympa. Ah, ce serait génial comme truc. Moi, j'imagine déjà toute l'équipe devant. Ouais, on a gagné. Et la déception qui se lit sur le Des visage. gens en bataille, et là, Luffy ouvre le coffre, et là. Ah non, mais lui, Et là. je crois que lui, il serait trop heureux. Parce que c'est ton ami qui tombe en dépression. Ouais, il fait, je suis le roi des pirates, et là, t'es la vie, Link. Tout ça pour Et une c'est juste là pièce! derrière qu'on voit le petit corbeau la faire. Ouais, tout ça pour une pièce d'or. Tu sais, j'aurais dû frapper le fier un grand coup. Oui, carrément, je la vois trop, elle qui est folle des pièces d'or. Enfin. Peut-être t'auras bien Robin derrière qui, tu sais, qui rigolerait. Oui, elle se marrerait, elle, par contre. Et Enfin. donc, pour le One Piece, je pense qu'on est d'accord, on a tout dit. Pour moi, il existe. Voilà. Oui, il existe. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Oui, il existe, mais pour nous, c'est pas forcément un trésor, c'est plutôt une philosophie ou une idée que les Ouais. gens doivent trouver, en fait. Doivent comprendre c'est quoi le but d'être un pirate. Pour nous, c'est un peu ça, en fait. Voilà. Bon, Très bien. Bah, donc, alors. question suivante, tout à fait. Alors, cette fois-ci, ça concerne les méchants. Un gros méchant. Un gros méchant. Carton jaune. Sur la touche. Ah merde, bah alors, deux cartons jaunes, ça fait un carton rouge. Ah ouais, Non, mais je... chez Hey! moi c'est trois. Non, chez moi c'est trois cartons jaunes et équivaut à quatre Oui, mais rouges. je vais pas faire le débat toute seule, moi. Non, mais en fait, les deux cartons rouges, ça voudrait dire que ce ne sera plus le premier, mais toi. Ah, d'accord. Voilà. Donc maintenant, est-ce que les méchants sont toujours intéressants? À toi, Q-chan. À moi? Ah oui, Bah... Fleury puni, donc D'accord, c'est à Fury est toi. puni. Bah, je vais pas dire qu'ils sont tous intéressants. Du moins, moi, il y en a certains que je trouve pas forcément utiles. Maintenant, il y en a qui ont un, il y en a qui ont un but un peu ridicule. Je prends l'exemple de Eneru. Son but, lui, c'est d'aller sur la Lune parce que pour lui, c'est la Terre sacrée. J'ai pas trop compris son délire, même si à la base, il veut quand même détruire toute une île. La drogue. Voilà, un peu ça. C'est un petit peu ça, ce mec. Sinon, il y en a d'autres qui sont plus ou moins intéressants. Moi, je vais prendre quand même Crocodile. Bon, Crocodile, c'est une sale enflure, d'accord? Mais ce mec, il veut pas seulement détruire le, il veut pas seulement renverser la monarchie, ce mec, tout ce qu'il veut, c'est provoquer la guerre. Parce que provoquer la guerre, ça provoque la ruine et ça fait marcher le commerce. C'est un peu ça son deal à lui. Et donc, il est quand même intéressant dans sa façon de faire. C'est le seul que j'ai en tête pour l'instant et j'en ai pas beaucoup d'autres. Peut-être qu'après avec Ferry, j'en aurai d'autres en tête, mais là, j'en ai pas d'autres. Donc, certains sont intéressants, d'autres le sont moins. Mais si je reviens sur Arlong, sauf que le problème, c'est que je suis pas encore à l'arc des hommes-poissons. Mais Arlong a aussi une belle histoire. Mais ça, je vais laisser Ferry en parler, parce que je pense qu'il est plus loin que moi. Bon. Donc, est-ce que J'en ai tu as fini. conclu que tu as fini? Oui, D'accord, je très laisse la bien. parole à Ferry. Eh ben Ouais, donc, à ça me toi. fait marrer au début avec Ener. Parce que, justement, elle dit qu'elle va sur la Lune. Et tu vois bien qu'à un moment, il dit, oui, mon rêve est d'aller sur une vaste prairie remplie d'herbe où il y a rien, perte de vue, un monde immense. Et le mec, t'as pour qu'il va aller sur la Lune. En fait, c'est En surtout... vrai, quand le mec, il y a été, il a fait... En fait, c'est surtout qu'il explique qu'il veut aller sur une terre où il n'y a pas d'eau. Justement, vu qu'il est aussi un porteur de fruits du démon, l'eau, c'est son point faible. Donc, il veut aller sur une terre où il n'y a vraiment pas d'eau. Donc, il va sur la lune, le mec. Oui, mais pas d'eau veut dire pas de végétation. Pas de végétation veut dire pas Non, d'herbe. mais ça, il sait peut-être pas qu'il n'y a pas de végétation sur la lune. Ah, mais il est un petit peu... Bon, on en est là sur les méchants. Oui. Lui, il est pas très... Il est badass, oui. Le mec, c'est un connard. Quand tu vois, il fait tomber son putain d'éclair de 10 mètres, enfin de 10 kilomètres, Oui, ok, gigantesque. c'est un bâtard qui détruit toute une ville, ok. Le Mais mec, c'est pas le plus mec, intéressant. excuse-moi, le mec, il a quand même piqué le Genkidama à Son Goku, hein. Oui. Mais, donnez-moi votre énergie. Le mec, il le fait tout seul. C'est vraiment ça, quoi. Vas-y, À une main. vas-y, continue. Donc, moi, je propose
comprennent tous les méchants jusqu'à l'île des hommes-poissons pour voir s'ils sont intéressants. Ouh, ça va prendre du temps. Ouf, pas vraiment, il y en a qui sont pas très intéressants. C'est vrai. Donc, le tout premier méchant, on va monter quand Luffy est tout petit, avec le bandit. Lui, c'est juste un gros connard, pour moi. Bon, c'est pas un méchant très intéressant. Lui, c'est une merde. Non, mais faut l'avouer, hein. Je pense que s'il veut, lui aurait foutu un fustre d'armes sa gueule, le mec, il aurait fait, c'est vrai. Tendu, ah, mais c'est bien. Bon, le deuxième méchant. Attends, que je me rappelle vraiment, c'est qui? C'est une méchante, c'est la grosse. Comment elle s'appelle encore, celle-là? Ah, c'est... Ali... Ali, je sais plus quoi. C'est la grosse du début, je me rappelle plus son nom. Ouais, bon, je sais plus. Elle non plus, elle est pas très intéressante, c'est juste une pirate. Elle est obèse, elle a des boutons plein la figure, et elle dit à tout le monde, c'est qui la plus belle des mers? C'est vous! C'est vous! Alors qu'elle est moche comme un boudin. Alors que plus tard, ils auraient pu pouvoir en copier, ils auraient pas vraiment pris ça, mais... Sauf que plus tard, elle mange un fruit du démon qui lui donne une silhouette de mannequin. Ouais, voilà. Voilà. Mais bon, ils auraient quand même pas dit ça s'il avait vu Hancock, parce que Hancock dit, je suis la femme la plus belle au monde, et tout le monde dit, oui! Exactement. Voilà. Suivant. Ensuite, donc après elle, c'est... Maggie le clown. Non, avant, il y a le chef de la marine. Ah oui, c'est vrai. Comment il s'appelle. Bah, lui non plus, il est pas très intéressant. Lui, c'est juste un gros méchant. Voilà. Avec un fils qui est complètement à côté de ses pompes. Oui, un lèche-bot. Voilà, et un trouillard invétéré. Oh putain. Après, on a Baggy, qui est vraiment, on peut dire... Un des premiers intéressants, quand même. Ah, pour moi, le gros méchant, c'est vraiment Arlong. Oui, bah oui, mais en même temps, Arlong pouvait l'être son histoire. Ouais, voilà, mais Baggy, bon, c'est quand même celui qui a mangé un fruit de démon. Donc lui, en plus, il est pas très intéressant. Lui, il veut juste se faire du pognon. En fait, je crois que tous les méchants, sauf à partir d'Arlong, sont pas très intéressants. Ils veulent juste détruire, se faire de l'argent. En fait, eux, c'est des... Base, quoi. En fait, eux, c'est, ouais. C'est des vrais pirates. Eux, ils veulent piller, détruire et ouais, voilà. Krieg, c'est un connard parce que au baratier, ils vont l'aider. Et puis l'autre, il revient. Je vais vous tuer. Voilà. Alors. Par contre, Kyushan, t'as quand même oublié quelque chose. T'avais prévoqué des pirates. Oui, quoi? Donc, t'as dit piller, détruire et aussi violer. Oui, mais je voulais pas le dire. Tu l'as dit pour moi. Oui. Sinon, One Piece, le viol n'existe pas. Voilà. Parce que ils sont consentants. Eh oui, ils sont tous consentants. Oui, bon. Donc, à la base, Arlong est vraiment un personnage intéressant. Le mec, quand même, il bute de sang-froid les humains. Quand même. Ouais, intéressant. Surtout avec son passé qu'on apprend beaucoup plus tard. Et on se dit, ah mais en fait, je le comprends un peu. Certes, c'est un connard, mais on le comprend. On comprend pourquoi il agit vraiment comme ça. On pourrait même facilement s'identifier à lui avec son histoire. Oui. Bon, à part qu'on bute pas des gens, mais... Oui, sinon... mais je veux dire, on peut le comprendre et on peut comprendre son histoire et comprendre sa façon de réagir. Ouais, disons qu'il a mal tourné. C'est comme une histoire de vengeance. Par exemple, quelqu'un tue quelqu'un de ta famille, bah, pis, toi, tu veux te venger. Exactement. Sauf que bon, tu vas mal réagir, tu vas pas vouloir tuer la personne qui a fait ça, tu vas vouloir haïr tout le monde. Voilà, c'est un peu ça, hein, mal réagi. Voilà. Ouais, situation. Ensuite, après Arlong, il y a Crocodile. Crocodile. Ouais. Qui, oui, comme tu l'as dit, est un personnage quand même assez intéressant. Le mec, il est malin. Parce qu'à la base, ce qu'on sait de lui, c'est que on pense de lui qu'il veut juste abolir la monarchie à Alabasta, alors que son but est bien plus grand, en fait. Voilà. Et le mec, il en va dessécher tout plein de pays, un connard. Voilà. Encore une fois, c'est un connard. Mais bon, comme par hasard, le gros connard. Voilà. Mais comme par hasard, Luffy, va pouvoir l'affronter. Parce qu'il va l'oublier. Mais, moi, j'ai toujours pensé à quelque chose. On est dans le désert. Ok, il pleut pas. Mais, Luffy se fait battre. Mais s'il a envie de pisser, ben, il a qu'à lui pisser dessus, après, il peut le taper. On est d'accord? Parce que, de l'urine, c'est de l'eau. Donc, voilà. On est d'accord?
Mais on a fait de l'eau de mer, c'est pour ça. Oui, s'en fout. Quand Luffy prend la bonbonne, la Oda, il le mouille et il le frappe juste après. Sauf pour, le frappe. Sauf qu'à la fin, il se sert plus de l'eau, mais de son sang carrément. Ouais, non, mais Luffy est un peu bien. Ouais, mais en même temps, il est déjà énormément blessé, il pue son sang partout, donc il se sert de son sang. Donc comme quoi, le mec, il sait quand même s'adapter. Attends, Luffy résiste à du poison. Faut pas exagérer, à un moment. Voilà. Bon. Mais le après, mec... pour Luffy, c'est un peu comme un bafika de poisson, quoi. Non, mais en fait, le mec, c'est pas compliqué, c'est que lui, c'est le mec, même s'il va crever, il est un peu comme Seiya, en fait. Une fois qu'il se relève, il est encore plus fort qu'avant. Ouais, mais alors ça, c'est pas Saiyan, je suis désolé, c'est carrément les Saiyans, alors, à ce moment-là. Mais oui, c'est un Saiyan, le mec, Son Goku. Je me relève, et je suis plus fort. Voilà. Non, c'est n'importe quoi. Il y a un moment, tu restes couché au sol, t'en peux plus. Et non, Luffy se donne à fond, il va en détruire son corps. Oui. Bon, c'est bien, mais après, les vrais méchants intéressants, c'est le CP9, après. Oui, les CP9 sont assez intéressants. Eux, c'est là que ça commence vraiment à barder. Et en plus, ils commencent, c'est des méchants qui commencent aussi à être à la hauteur des ennemis, parce qu'ils sont extrêmement dangereux et extrêmement durs à éliminer. Et c'est alors là que, vraiment que Luffy va, avec son équipage, va vraiment se lancer, où la marine va vraiment se lancer à leur poursuite. Oui, parce que c'est là où ils vont déclarer, entre guillemets, la guerre au monde entier, quoi. Ouais, quand t'as Sogeking qui va brûler le drapeau de la marine. Ce torchon, comme dirait Luffy. Voilà. Alias Usopp, mais personne ne l'a dit, hein. Bien sûr. Si, il y a juste Luffy, Chopper et Zoro qui l'ont pas capté. Ils l'ont pas capté. Ah, mais c'est Sogeking. Oui, mais en même temps, ces trois-là. Pas du tout, Sogeking. Oui, mais en même temps, ces trois-là, ils ont deux neurones qui se connectent, donc, On se dispasse un peu trop, là. Ouais, ouais. Fallait qu'ils servent, hein. Après, la plupart du temps, les méchants sont tout de même intéressants. Rien que, j'ai vu un peu quelques scans, ce qu'on a dit, de Flango, et assez intéressant. Ok, j'ai pas vu un personnage qui fait au plus gay que ça, mais il faut l'avouer. Mais voilà, pour moi, je sens qu'il va être très intéressant le personnage. Déjà, il a un mental un peu space, et il a l'air d'avoir un passé assez troublé. Il y a quand même, entre guillemets, un grand méchant qui est intéressant, c'est la marine en elle-même. Oui, un Marineford, oui, c'est... Là, je dis entre guillemets parce que je parle de la marine au complet, parce qu'ils sont pas tous méchants dans la marine, ils font juste leur boulot. Mais voilà, il y a des corrompus comme il n'y a pas des corrompus, mais le groupe de la marine en elle-même, c'est un groupe qui est extrêmement dangereux et qui va se lancer à la poursuite de Luffy comme c'est pas possible. Si on prend par exemple l'arc Marineford, vous voyez Ace qui est donc capturé, tu as Garp qui hésite, parce que en même temps, t'as Luffy qui veut libérer son frère, t'as Garp qui fait partie de la marine et il doit exécuter Ace. Et donc, Garp, il est coincé entre les deux. Il n'a pas envie de combattre son petit-fils, parce que il sait très bien qu'il arrive à le battre déjà, et donc, il va tuer son autre petit-fils. Et donc là, il a un gros dilemme. Il n'est pas méchant, Garp. Voilà. En fait, il va presque pas réagir dans la guerre. Il va même pratiquement se laisser faire, je crois, face à Luffy. Voilà, encore un grand message qu'a One Piece. Quel chemin choisir quand sa famille est en danger? Oui. Ah bon. Je pense qu'on en a assez dit sur les méchants pour l'instant. Voilà, on va pas trop s'étendre sur les méchants. Il nous reste quelques questions en plus. Oui, et on est déjà à 40 minutes. Oui, il nous reste deux questions, sauf si on la zappe. Complètement. Enchaînons. Final Fantasy, ça va durer bien plus longtemps. Ça va durer 1h20, donc il y a moyen, quoi. Ouais, allez, il y a moyen. Très bien. Donc, vous êtes prêts pour soit la dernière ou l'avant-dernière question. Vas-y, enchaîne. Alors, est-ce que Gold Roger a offert? Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Gold Roger, voilà. Donc, je laisse la parole à Kushan. Honnêtement, j'en sais rien. Parce que pour l'instant, à part qu'il est mort il y a 20 ans et que c'était le Seigneur des Pirates, moi je sais rien de lui. Donc honnêtement, j'en sais rien. Mais s'il en a un, je suis curieuse de savoir lequel. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'il en avait un. Mais comme je le dis, je n'en sais rien. Mais celui qu'il aurait apparemment, aurait justement déclenché
le pourquoi de la chasse qu'on a mis sur lui, parce qu'il aurait un fruit très, très, enfin, pas puissant, mais assez intéressant et assez dangereux pour le monde. Mais j'en sais pas plus. Donc je vais laisser la parole à Ferry, parce que Voilà. j'ai rien de plus à dire. Moi j'en ai la petite théorie là-dessus. Ah déjà faut savoir que putain merde, je vais encore vous spoiler, merde. Vas-y, c'est pas Je grave. vais Vas-y, vas-y. Allez, Vite, vas-y. d'accord, et ben il y a un moment, donc on rencontre Rayleigh, donc le second de Gold Roger. Voilà, donc Dieu, voilà. Et Rayleigh dit quelque chose d'intéressant. On a découvert quelque chose qu'on n'aurait pas dû découvrir. Ah. Donc il nous dit pas c'est quoi, et il propose même à Luffy de lui dire où se trouve le One Piece et qu'est-ce que le One Piece. Luffy bien sûr qui refuse, qui fait non non sinon j'arrête tout de suite l'aventure. Logique. Et par contre il propose aussi à Robin de lui dire c'est quoi qu'est-ce qu'on a découvert dans les poneglyphes qu'on n'aurait pas dû découvrir. Donc le siècle oublié qu'on Ah l'appelle. Ce oui. siècle où il ne s'est rien passé, et pour moi c'est aussi ça. Pourquoi les îles sont dispersées, pourquoi il y a des monstres aussi énormes, pourquoi les armes telles que Pluton et Neptune existent. Enfin, je suis en train de m'enlever du sujet, mais c'est quand même assez intéressant de relever ça. Et pour moi, s'il a été recherché à ce point-là, c'est parce que bon, c'était pour moi déjà l'un des pirates, l'un des tout premiers pirates. Après, souffre du démon, forcément. Après, la force de son équipage, parce que il avait Rayleigh. Rayleigh, on le voit un petit peu en action, il arrive à parer d'un seul coup de pied à un amiral de la marine. Et on voit même leur docteur qui est donc avec Balloon. Je sais pas si vous en souvenez. Donc Ouais. lui, on sait pas c'est quoi sa force. Bon, on sait qu'il était médecin et qu'il a connu Gold Roger. On sait pas c'était quoi sa force. Après, peut-être qu'on va découvrir d'autres personnes de l'équipage. Mais pour moi, donc ma théorie, c'est que Gold Roger avait le fruit du savoir. Qu'il a découvert aussi facilement qu'est-ce que était. Ben, c'était quoi le siècle oublié, les armes antiques qu'on n'arrête pas de nous parler. Ce qui n'est pas une théorie forcément stupide, parce qu'en effet, il n'y a rien de plus dangereux que le savoir. Oui. Après tout, si je prends l'histoire de la Bible, Adam et Ève ont été jetés dehors parce qu'ils ont croqué le fruit du savoir. Donc ils ont appris à connaître et appris à connaître les choses que seul Dieu devait savoir. Donc le savoir est dangereux pour tout le monde. Donc en effet, Et c'est c'est pas... peut-être, Oui? excuse-moi, mais c'est peut-être pour ça même qu'ils ont capturé Gold Roger parce qu'il en savait trop. Oui, c'est pas une théorie idiote, bien au contraire. Mais bon, on apprend plus tard que Gold Roger s'est quand même laissé faire parce qu'il était malade et qu'il allait mourir. Ah, donc il voulait mourir comme un pirate, quoi. Voilà, il s'est laissé faire. Mais bon, moi je pense que le but de la marine, c'est pas parce qu'il était recherché très cher ou qu'il était forcément puissant. On était quand même un peu puissant, je pense, quand même, pour avoir défié le Nouveau Monde et Grand Line. Mais surtout parce qu'il en savait trop, et je pense que la marine a quelque chose à se reprocher là-dedans. Par exemple, pour moi, ceux qui ont quelque chose à se reprocher, qui sont assez vieux, donc qui font partie du siècle de Gold Roger, c'est les 5 plus hauts gradés de la marine. Vous savez, les 5 vieux qu'on voit. Ah oui. Voilà. On connaît pas c'est quoi leur nom, on connaît pas c'est quoi leur... But. On sait que c'est eux qui dirigent la marine. Et pour moi, ils ont quelque chose à cacher et c'est Gold Roger qui l'a découvert et ils ont voulu le tuer pour faire taire ça. Parce que pour moi, la marine a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Genre utiliser des armes antiques. Un Buster Call. C'est pas stupide. En même temps, il suffit de voir ce qu'ils ont fait à l'île de Robin, hein. Pour moi, les Lormines, c'est pareil. Ils ont découvert quelque chose qu'ils ne devaient pas savoir et bim, En fait, Buster. ben c'est juste que tout simplement, ils ont découvert que là-bas, il y avait des scientifiques qui en savaient beaucoup trop. Et encore une fois, le savoir était dangereux pour eux. Et donc, ils ont détruit l'île, quoi, en fait. Ils ont fait Ouais, ils étaient disparaître. proches de savoir tout ce qui s'est passé donc pendant le siècle oublié C'est ça. et donc bim, ils ont voulu les tuer. Et Non. ils ont atomisé toute l'île. Voilà, donc pour moi la marine a bel et bien quelque chose déjà à se reprocher et donc pour moi Gold Roger a le fruit du savoir ou en tout cas quelque chose qui permettrait de détruire un peu à la Sherlock. Non, peut-être pas, mais En tout cas, ou il aurait le fruit du savoir, ou alors il aurait appris quelque chose de vraiment grave, quoi. voilà. Ok. Bon, déjà, pour moi, il a le fluide, ça c'est sûr, pour prouver sa puissance. Mais bon,
Ouais. J'en ai fini. Moi aussi. Très bien. Donc, nous allons passer à la dernière question. Enfin, c'est plus pas vraiment une question, c'est juste un petit truc comme ça. Est-ce que vous le conseillerez comme manga à regarder à quelqu'un? Est-ce que vous le conseillerez à le regarder, quoi? Oui, vu que moi c'est mon manga préféré, oui, je le conseille. Pour moi, One Piece, c'est très riche. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Et puis, c'est pour tout âge, on va dire. Oui, qu'il y a mon oncle de 40 ans qui le regarde. Enfin, voilà, c'est pas non plus que de la baston à la DBZ. Non, il y a des messages, quand même, comme on disait auparavant. Mm. Voilà, j'ai fini. Kyushan, le conseillerais-tu? Oui, je le conseille énormément. Comme dit Ferry, ce manga est pour tous les âges, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et puis, je vais reprendre l'exemple de ne serait-ce que les personnages qui incarnent le groupe de Luffy. Chaque personnage a une histoire tragique qui va le pousser à rejoindre Luffy. Je veux dire, il y en a pas un qui a eu une vie pratiquement joyeuse, quoi. Ils ont tous connu la souffrance, ils ont connu le rejet, ils ont connu la haine. Donc. C'est pour ça qu'il y a Final Fantasy 13. Voilà, je veux dire, ils ont tous connu une histoire tragique qui les a menés quasiment à la dépression. Ça se demandait comment ils sont encore en vie quelquefois parce que il y en a qui seraient morts depuis longtemps rien que pour ça. Ah oui. Et il y a des messages, encore une fois, comme je vous dis, ce manga traite de tout. Il parle vraiment de tout. Donc il y a vraiment des messages super intéressants, super importants, super bien traités aussi. Ils vont pas non plus dans l'extrême, mais ils parlent vraiment de tout. Ils sont ouverts à tout. Donc oui, je veux dire, il y a des moments de baston pour le plaisir, mais il y a aussi des moments psychologiques, philosophiques, pour ouvrir tous les esprits. Donc oui, moi, sans hésiter, je le conseille à tout le monde. Aussi bien l'animé que le manga papier. Oui, tiens, pendant que j'y pense, tu parlais du passé de tous les équipages. Pour moi, c'est quand même Luffy qui en a moins pris cher. Quoi. Ok, il a jamais connu ses parents. Bon, il a été élevé par Garp, donc il l'a entraîné quand il était petit avec Ace, mais donc pour moi c'est Luffy quand même qui en a moins le prix, voilà. Si on compare avec les autres. Oui, je veux dire, lui, il a eu encore une enfance plus ou moins heureuse. Je veux dire, moi je prends l'exemple de Chopper, qui a été rejeté par son clan de reines parce qu'il est né avec un nez bleu, il a mangé le fruit de l'humain, il a été rejeté encore plus par son clan, quand il a voulu devenir humain, il s'est fait rejeter par les humains. Tout le monde le prenait pour un Yeti. Il s'est trouvé un copain et tout, qu'il a ensuite rejeté parce que lui, il allait mourir, donc il voulait pas que Chopper souffre. Ce reine a connu la méfiance de l'homme et la méfiance des animaux dans tous les points. Il a été rejeté par tout le monde. Mmh. Juste à Zoro, voilà. Son amie d'enfance, elle est morte. Oui. Alors, il voulait toujours la surpasser. Ils ont vraiment tous un passé tragique. Voilà. Brooke qui a connu la solitude. Robin qui a vu son peuple anéanti par la marine. Elle était monstre pendant. Voilà. Je veux dire, la gamine, elle avait 6 ou 9 ans, je sais plus, et tout le monde lui disait qu'elle aurait jamais dû naître, qu'elle n'aurait jamais dû exister. Quoi. C'était monstrueux. Quoi. À 9 ans, t'entends ça, mais t'es. D'ailleurs, je relève ça, mais je ne comprenais pas pourquoi au début tout le monde l'a rejeté. Au début, je pensais que c'était à cause de son fruit du démon. Mais en fait, non, c'est parce qu'elle venait de cette île et qu'elle en savait trop. En fait, et j'avais pas compris ça. En fait, c'est surtout qu'elle venait de l'île, mais personne ne le savait. C'est juste que à peine 9 ans, elle avait déjà une tête à prix à 40 000 berries, je sais plus, ouais, 40 000 berries. Et donc, tout le monde voulait la vendre. Elle portait malheur à tout le monde, soi-disant. Donc oui. Mais moi je pense que c'était à cause de son fruit du démon au début que tout le monde l'a rejeté. D'ailleurs on sait pas à quel moment elle l'a mangé son fruit du démon. Non, bah on sait qu'elle l'a mangé quand elle était petite. Bah je sais pas, parce que quand elle est petite elle l'utilise jamais donc je sais pas. Si des fois dans son passé je crois bien qu'on le voit à un moment. Ah c'est possible, je me rappelle plus. Si je peux rebondir sur un truc qu'a dit Kyushan qui est totalement hors sujet mais qui est par rapport à ça. Vas-y. C'est totalement hors sujet, je vais te rappeler sur autre chose, mais c'est juste pour faire l'anecdote. Tu disais que Chopin s'est fait rejeter par son clan et tout le tête, ouais. Oui. Ça me rappelle un peu Kratos dans God of War. Il s'est rejeté par les humains, il s'est rejeté par les dieux, il s'est rejeté par les titans. C'est rejeté par tout le monde aussi, mais bon, c'était hors sujet, c'était juste pour faire parce que ça me fait penser à ça. Voilà, mais Chopin, il s'est fait rejeter par son clan uniquement parce qu'il a eu le malheur de naître avec un nez bleu, quoi. Donc là, qui en plus a bouffé un peu du. Mais oui, mais il l'avait pas encore mangé avant de se faire éjecter par tout le monde. Donc là, on parle de racisme et racisme chez les animaux, quoi.
Donc ça va loin, quoi, quelquefois. Très très loin. Oui. Franky, qui a vu ses armes, enfin ses bateaux d'armes retourner contre lui-même, bah, du coup qui a tué son père spirituel, on peut dire. Voilà. Et le mec, et après il se fait défoncer par un train, mais bon, ça c'est de sa faute encore. Mais ah Oui, oui, voilà, ils ont. pour l'avouer, ça c'est de sa faute par Voilà. contre. Mais en fait, c'est ça fait parce que dans ce train se trouvait justement son père spirituel qui était amené à la prison et lui, il voulait juste arrêter le train, quoi. Mais il a découvert qu'il pouvait rien faire en se mangeant le train dans la figure. Mais Alors, voilà, c'est pour dire moi, que. ça m'a fait, au début, je tiltais pas quand j'étais petit, après, quand, dans la vraie vie, au début, on voit Franky l'arrêter, en fait, tout le monde qui dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il recule, et puis, finalement, après, il se fait dégommer. Dans la vraie vie, Ah le oui, mec, il se met, ça fait, il survit pas, le mec! voilà. Mais encore une fois, on est dans un manga, donc l'impossible n'est pas manga, justement. Mais Ouais, voilà, c'est One Piece, hein. voilà. Mais pour en revenir à ça, voilà, chaque personnage de l'équipe de Luffy a une histoire, on va dire monstrueuse quelquefois, mais c'est ça qui lie le groupe, justement. Ils ont tous vécu, ils ont tous passé par un moment tragique de leur vie. C'est ce qui les lie à tous, justement. C'est Donc voilà. Luffy, en quelque sorte, qui les lie. Exactement, c'est Luffy vraiment qui n'est pas le plus intelligent, qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui grâce à lui maintient le groupe en place. C'est pour ça que tout le monde demandait au début que Jinbe rejoigne l'équipage de Luffy. Mais pour moi, Jinbe ne se mélange pas assez. Alors oui, certes, il a vu son capitaine se faire tuer. Mais pour moi, il n'est pas assez loufoque déjà en plus pour se mélanger au groupe. Mais bon, Voilà, donc pour en voilà. revenir à la question de base, je pense qu'on est d'accord, on recommande fortement ce manga. Il est Bien très sûr. long, on en convient, il est très long, mais on prend tellement de plaisir à le regarder. Ça en vaut la peine. Voilà, les épisodes passent facilement parce que c'est tellement gai à regarder. Et l'univers est génial, l'effet dessin animé un peu comique, un peu cartoon passe très bien. Donc ça marche super bien, quoi. Franchement, moi j'adore. Et puis personnellement, si à peine le passé vous fait chialer, One Piece arrive à vous faire chialer des fois, rien que pour un bateau. Un bateau, ça peut réussir à vous faire chialer. Oui, ça peut être con quand je vous le dis comme ça, mais Oui, je veux dire, il y a un moment où Luffy va perdre son premier bateau. Toute l'équipe est là en train de pleurer en voyant le bateau brûler, quoi. et le bateau va leur parler. Ouais. Non, ils ont pas pris de la drogue, hein, Non, à ce moment-là, non, mais ils voilà. arrivent à vous faire pleurer pour quelque chose qui passerait Pour quelque chose pour rien du tout. qui est matériel, en fait. Pour quelque chose qui peut être remplacé, quoi. Mais voilà, leur bateau, c'était leur bateau. Ils ont vécu un moment monstrueux avec ce bateau-là. Et le voir disparaître, ça a été un moment, mais tragique. Alors Voilà. que c'est un objet qu'on peut reconstruire facilement. Donc Mais voilà. bon. Donc si vous aimez les moments forts, si vous aimez les belles histoires, les histoires tragiques, les combats, l'univers cartoon un peu déconnade et tout, ce manga est fait pour vous. Voilà. C'est un Dragon Ball Z pour moi mieux travaillé. Au Voilà. niveau des Voilà. personnages et de Et pour l'histoire. moi qui suis un néophyte dans ce manga, si j'avais un peu plus de temps libre, j'avoue que il serait possible que je m'y intéresse. Voilà. Je dis bien si j'avais un peu plus de temps libre. Allez, tu n'en as Voilà. pas. Voilà. Malheureusement, la vie est trop courte. Ah non, parce qu'on n'a pas 7 heures d'une journée, tout simplement. Aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, de ce qu'on voulait dire, du moins. Voilà. Est-ce qu'on parlerait déjà du prochain, enfin, ou qu'on dirait déjà le prochain sujet de débat, ou Ben, parlons on de le sa dit. surprise? On Je sais lance. pas, on le dit ou on fait la surprise, Ben, comme, je sais pas, tu sais ce que tu veux faire? Ben, tu sais ce qu'on avait prévu. Au pire, on leur dit en forme d'énigme. Oui, ben, je t'écoute parce que là, je vois pas de quoi tu parles. D'accord. C'est un jeu très célèbre. Ah oui. Et je vais vous donner 2 indications. Donc c'est un jeu très célèbre et si vous avez autre chose, hein. Enfin, je vois de quoi je veux Oui, parler. je vois de quoi tu parles, mais je cherche un indice, oui. Vous y avez au moins tous joué au moins une fois. Voilà. Et Si dis-donc. pas, si pas vous avez joué à une parodie au moins. Au Voilà. moins. Ou Je veux dire, moins. si vous êtes un gamer, vous avez dû passer par là. Et on en fera forcément le roi des trous du cul pour faire cette mission. Voilà. Ah si, on envoie le roi des trous du cul pour faire cette mission, alors qu'un chevalier aurait été mieux. C'est Mais vrai. C'est vrai.
Voilà, on vous laisse. Si vous arrivez à trouver dans les commentaires, ben, bravo à vous. Bah, Si jamais aussi vous avez des idées de thèmes où vous voudriez qu'on débatte là-dessus, pourquoi pas, ça pourrait nous intéresser. Maintenant, parce qu'on vous explique, le programme, c'est un peu série, manga, jeux vidéo. jeux vidéo. On a déjà prévu, comme on l'a dit dans le premier débat sur Final Fantasy, de faire des vidéos sur chaque Final Fantasy afin de bien parler de tous séparément. Ça, c'est prévu. Si vous avez d'autres jeux qui vous intéressent et que vous pensez qu'on pourrait en parler, on fera peut-être pas tout parce que faut voir si on les connaît, bien sûr, et si on est assez préparé pour ça. Mais nous, on a déjà une belle panoplie dans nos esprits, donc on a déjà pas mal de choses qu'on veut faire. Mais si vous avez des idées qui pourraient nous intéresser, pourquoi pas? Parfait. Eh ben, Voilà. le mot pour la fin, comme on dit. Voilà. Ben, ce débat a été un peu plus court que le précédent. On est un peu dans nos heures ce coup-ci, mais tant mieux. Donc, ben Voilà, moi, pour une fois, soit pour une fois. voilà. Moi, je suis Oui, contente d'avoir pu vous parler de One Piece. je suis content de vous avoir parlé de mon manga préféré. Voilà. J'espère vous retrouver pour le prochain débat. Si vous trouvez de quoi il s'agit. Perry? Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les trois chaînes Voilà. qui seront en description si je ne m'abuse pas. Oui, voilà. Le débat sera sur ma chaîne à moi, donc Q-Chan. Je mettrai dans la description les deux autres chaînes. Donc n'hésitez pas à aller les checker. C'est Et on fera un commentaire si jamais ils ne sont pas en description. Voilà, si Voilà. jamais j'oublie, ils vont me sonner les cloches. Et Donc, pour terminer, n'hésitez pas à dire des chose pour améliorer ces débats. voilà exactement, si vous avez des conseils à nous donner, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un j'aime si vous avez aimé, à vous abonner, à visiter les autres chaînes et à continuer à regarder des vidéos. Pour ma part, c'est ce que j'avais à dire. Je dirais ciao à plus, moi. À plus, c'est une bonne Ciao! note. Ciao à plus.